Venendo a Saint-Denis, periferia nord-ovest di Parigi, questo è il paesaggio, però è primavera. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de l'accueil. Bien, bien arrivé. Oui, c'était tout clair. Okay. Merci. Oh, tu peux rentrer. Il y a des choses. Oui, oui, il y a des choses. Wow. T'as habité? Bah oui, c'est... vraiment habité. Faut quand même qu'on me reconnaisse. Ça sera mieux, non? Alors, c'est difficile sinon. Présentez-vous. Vous êtes monsieur? C'est donc monsieur Jean-Nicolas Renner. Et vous êtes un sculpteur? Et je suis un sculpteur. Et donc ça fait depuis 2008 que j'habite ici. Oui. Et je crée depuis 1998. Mes idées viennent de la vie, en fait, ce que je rencontre, les émotions que j'ai avec certaines personnes, ou parfois des craintes que j'ai eues quand j'étais petit, entre autres. Et je les traduis dans mes sculptures. En fait, une fois que c'est fait, je les installe. Oui. Mais la création, elle se fait dans l'atelier. Ok, on peut visiter l'atelier? Oui, bien sûr. Waouh. Elles ont toutes des prénoms, mes sculptures. Je les travaille vraiment à répétition. Je fais un peu les détails. Vous voyez le travail, les traits. C'est pour donner vie à la terre, en fait. Et à force de travailler dessus, ça donne vie, en fait, tout seul. Et donc, c'est pour moi, quand il y a une vie comme ça, c'est bon, j'arrête. Donc, chacun d'eux a une personnalité. Et une raison d'être. Oui, ouais, voilà, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Ok. Elles ont toutes une histoire, en fait. Et c'est une fois que c'est créé, une fois que c'est émaillé, là je leur donne un prénom. Et vous pouvez me raconter une histoire, par exemple? Alors c'est quelqu'un qui réfléchit. Qui est dans une attente, c'était fait au moment du Covid, de l'annonce du Covid. Ouais. Et donc, il est dans l'attente, dans une perplexe, qu'est-ce qui va se passer, donc j'ai voulu vraiment faire quelqu'un qui réfléchit. Alors, elle a un mouvement au niveau des bras, au niveau des jambes, des bras. Qui est intéressant au niveau des doigts et puis la bouche qui est déformée parce que c'est qu'un personnage qui a du mal à s'exprimer, qui s'exprime avec un gestuel, avec le corps. Et donc je lui ai donné vie comme ça. Et vous l'avez déjà placé à l'extérieur? Elle est récente, cette sculpture. Elle est vraiment très récente. Ouais. Vient de naître. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Mais j'ai des idées pour les mettre justement en scène à Saint-Denis, en fait. À Saint-Denis. À côté du Stade de France. Les Parisiens ne viennent pas à visiter Saint-Denis. En peur. Ils ont un peu peur de la réputation qu'il y a à Saint-Denis parce que malheureusement parfois quand il y a des reportages ou c'est jamais les bons côtés, quoi. Malheureusement, c'est toujours les côtés un peu négatifs et c'est bien dommage parce qu'il y a des super côtés, il y a vraiment des très bons côtés. Il y a plein d'associations, oui. De culturelles, il y a des galeries, ouais. Il y a des belles galeries, il y a le marché de Saint-Denis qui est vraiment magnifique. Super. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes aussi. Il y a beaucoup d'artistes, énormément même.